motherfuckers. Salut les cramés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre série sur le jeu Conan Exil, que je vais appeler d'ailleurs Conan le Barbare directement, parce que je trouve que c'est une bonne référence. Par contre, je filme vraiment, je fais ça sans aucune construction, c'est-à-dire que je filme, donc j'ai gagné un niveau, super. Je filme à la suite, là, mon gameplay, je ne joue pas entre. Alors, peut-être que je vais finir par jouer sans vous montrer ce que je fais directement, parce que sinon ce sera pas intéressant pour vous de me voir galérer tout simplement. Il faudrait que je comprenne le jeu par moi-même pour ensuite vous proposer des vidéos de des bons gameplay, on va dire, entre guillemets. Parce que là, par exemple, il faut que je crée la ficelle pour me créer un lit, mais je n'ai aucune idée de comment on peut créer de la ficelle. Alors peut-être que c'est, je sais pas, franchement je sais pas du tout. Là, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je me crée, faut que je me rapproche de du biome de verre, enfin du biome herbe, pour récupérer de l'eau, parce que c'est vrai que je peux mourir de soif, etc. Il faut aussi que je tue des gens, ou du moins des animaux, pour pouvoir faire du feu et par la suite faire cuire la peau, ou du moins la viande que j'ai récoltée. Alors j'espère qu'il m'attaquera pas, mais peut-être que là ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe ici. Là il y a un homme avec un carnet, appuyez sur E pour interagir. Bah, c'est ce que je fais, mais apparemment ça ne marche pas. Donc je vais mettre en première personne. God's curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Ok, donc j'ai rien compris. Si vous avez compris le moindre mot, eh ben vous pouvez me dire ce que vous avez compris dans les commentaires. Ça, moi, ça va m'aider comme ça, parce que je n'ai absolument rien compris. Tout ce que j'ai compris, c'est il a pris une arme. Voilà, c'est le seul truc que j'ai compris. Encore, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il a dit. Tout ce que je sais, c'est que là, on est en difficulté parce qu'on n'a pas de vêtements. Mais je sais que je peux en faire, mais ça, c'est pas très important tout de suite. Mais surtout, on n'a pas d'armes pour se protéger. On a juste une pioche et une hache. C'est pas ça qui va nous faire survivre. Il faut qu'on aille trouver de la ficelle. C'est important pour se créer un lit. Vous voyez, pour se créer ça, ensuite. Ah bah ficelle. Ah bah d'accord, pour créer de la ficelle, il suffit de détruire le fibre végétal. D'accord, ok, je comprends mieux. C'est parfait. Magnifique. Voilà, on se crée directement le lit. Une fois qu'on a le lit, il va se créer bientôt. On va le poser en hauteur, en mode protection, tu vois. Genre, je sais pas où, mais juste vite fait, tu vois. On le pose par là pour pas trop être loin du biome de la terre. On va le mettre par là. 4. Voilà, on va le poser là. Nickel. Maintenez E pour voir davantage d'options. Alors, interagir, paillasse en fibre. Annuler, démonter. De retour à la vie, mise à jour. D'accord, bah je pense que j'ai sauvegardé mon truc. Ok, super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tuer une bestiole. Par contre, on va s'accroupir pour pas les aggro. Putain, il arrive. Bon, on va essayer de défoncer sa race. Je vais me mettre en première personne, ce sera plus facile pour moi. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? T'as un problème? Voilà. On va le récolter directement. Voilà, on a récupéré de la viande sauvage. Ensuite, je peux créer une torche. Moi, ce que je voudrais créer, c'est un feu de camp, surtout. Donc, dernier niveau, apprendre des recettes. Le feu de camp, on peut le débloquer. Super, on le débloque directement. Ça, c'est quoi? Une épée en pierre. Nickel, il nous faut créer cette épée en pierre. Donc, épée fragile et peu tranchante, mais ça peut nous être utile avec un bouclier en bois. Mais il faut la débloquer, gagner des niveaux pour ça. Donc, voilà, nickel, on s'est fait aggro, c'est parfait. On va pouvoir le défoncer, sa race. Par contre, on va essayer de le tuer plus vite que lui, il peut nous tuer. Voilà, nickel. Ok, on va pas trop traîner là. Je voudrais pas énerver mes voisins. Ce serait chiant. On va ramasser les branches parce que notre pioche et notre hache, pardon, est bientôt foutue. Donc on va vraiment tout récolter. Au maximum de ce qu'on peut récolter. Par contre, je saigne, je sais pas comment on fait pour se soigner. Je pense qu'on peut créer des bandages ou des trucs comme ça, à mon avis.
C'est dans la logique des choses, on devrait pouvoir. Alors, maintenant que j'ai eu ce que je voulais, est-ce que j'ai gagné de quoi faire ça? Non, toujours pas. Je peux toujours pas faire d'épée. Par contre, je peux faire un feu de camp. Donc, si je peux faire un feu de camp, je vais le fabriquer directement. Il nous faut 50 branches, 30 pierres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va récolter, tout simplement. On va récolter. Alors, par contre, est-ce que je peux niquer les arbres avec ma pierre? Oui, nickel. On va récolter du bois et des branches en plus grande quantité. Ce sera bien mieux que de les récolter par terre. Ok, la hache s'est cassée. C'est pas grave. On va en créer une, tout simplement. Fabriquer. En attendant, on va prendre la pioche. Super, on commence à comprendre le délire du jeu. Bon, c'est pas dur, hein, puisque j'ai fait beaucoup de jeux comme ça. Par contre, je sais pas. On va vite prendre là. Hop. Merde, je sais pas si ça c'est mieux par contre. Ah, c'est pareil. Ça tue en autant de coups. Nickel. Ensuite, est-ce qu'on peut créer le feu de camp dorénavant? Non, il nous faut encore plus de pierres. Et c'est normal que je ne trouve pas de la pierre. Ok, ça se régénère. Ma pierre qui était cassée se régénère. Je ne sais pas comment. Se régénère. Elle se régénère, ma pierre. Je ne sais pas comment. Par contre, il nous faut... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a vraiment des animaux chelous. De la pierre, je vois qu'en bas, il y en a plein. Donc, on va aller la prendre. Putain, mais... Oh, calmez-vous, les gars. Vous êtes chiants, là. Vous allez finir par me tuer encore. Putain, arrêtez de vous pointer par mille, là. Cassez les couilles. Ok, attendez. On va faire un truc. Voilà. Nickel. Bon, la pierre. Super. Par contre, la pierre, à mon avis, c'est mieux qu'une pioche. Oui, c'est mieux. Super. Est-ce qu'on a assez pour le feu de camp? Toujours pas 50 branches, il nous manque. Ok, ma pioche s'est cassée. C'est pas grave, on va en recréer une. Hop, fabriquer. Nickel. On va ramasser les branches, c'est important. Je vais me remettre en troisième personne. Allez, allez, on ramasse les branches. J'en ai 31, il m'en faut 50. Allez, allez, on se dépêche. Voilà. Alors, je sprint pas souvent parce que quand je sprint, j'aggro tout le monde en fait. C'est pour ça que je sprint pas énormément. Là, en plus, il y a des animaux bizarres. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. C'est un monde, j'ai l'impression, un peu futuriste, même si on est dans l'ancienne époque, c'est quand même futuriste dans le sens où ces animaux, je ne les connais pas, et je sais, j'en ai jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est vraiment bizarre. En tout cas, c'est génial, c'est génial, c'est vraiment bien foutu, là, je suis assez content du jeu pour le moment, même si j'ai vu pas mal de critiques négatives, et je sais pas pourquoi. Mais j'ai vu grosse larve. Ok, je viens de ramasser une grosse larve. Équipez-vous d'un outil, ouais, je sais. On va prendre ça. Ok, déjà, c'est bien foutu. Est-ce que j'ai assez pour le feu de camp? Toujours pas. 30 pierres, mais il me manque des branches. Où est-ce qu'il y en a? Je voudrais pas trop m'approcher de là. Parce qu'il y a des bestioles de partout et je voudrais pas qu'elles m'attaquent. 45, 46... Allez, on s'approche encore un peu juste pour ramasser. 48, 50, c'est bon. Ok, quelqu'un me suit, j'ai peur. Faut que je cours, putain. S'il vous plaît, les gars. Je savais qu'il aurait pas... J'aurais pas dû aller par là parce que forcément, bah, ça me suit derrière. Et ça veut me buter, donc il va falloir que je me barre super loin. Pour les semer, tout simplement. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Ok, je crois que je les ai oubliés. Enfin, ils m'ont oublié plutôt. Et comment je peux pas le fabriquer encore? Mais j'en ai suffisamment de la pierre et de la branche. Non? Bois 50, pierre 67, branche 49. Ils sont sérieux. Putain, j'en ai ramassé que 49. Il m'en manque une. Une, les gars. Comment me faire baiser facilement, quoi? Et en avoir une là? Ah voilà. Nickel. Merde, tu m'attaques pas toi. Ça va, t'es sympa. Ah bah voilà, il y en a plein là. Nickel. Parfait, on va pouvoir se créer ce feu de camp qui va nous être, je pense, indispensable pour la suite de l'aventure. Outre étanche. Qu'est-ce que c'est que ça? Outre en cuir étanche parfaite pour transporter de l'eau. Super, de la peau 20 et de la ficelle 10. Donc il nous faut créer plus de ficelles.
Ah bah je peux pas plus parce que j'ai pas d'autres fibres végétales, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Ramasser de la fibre végétale. Tout simplement, en même temps ramasser des branches. Voilà, je ramasse tout de toute façon, moi je suis comme ça. Je suis un juif dans l'âme, donc je ramasse tout. Affamé. Vite. Le feu de camp, il est où? Le feu de camp a pas encore été fabriqué, mais pourquoi? Pourquoi il me reste que 9 branches? J'ai créé le feu de camp, je comprends pas. Ah bah il est là, pardon. Ouah, excusez-moi. Vite, on met le feu de camp, on l'ouvre. Viande putride, on va la mettre, on sait pas trop ce que c'est. Bois, je sais pas comment on fait pour le disperser. Je sais pas comment on fait pour le disperser, pour qu'il y en ait moins. Viande sauvage, allumée. Voilà, en espérant que ça cuise. Que ça cuise, plutôt. Ah putain, propriétaire Sodomifrance, dépêche-toi, j'ai faim, dépêche-toi. En plus, j'ai pas bu non plus. Allez, cramer, fais-moi de la viande. Curée de fonctionnement. Nickel. Rôti, on va le mettre là. 8. Nickel. J'ai mangé un peu de rôti, ouais, ça fait du bien. Ça requinque, c'est parfait. Il va nous en créer un autre juste après. Allez cramer, vite. J'ai besoin de manger. Et aussi d'aller boire d'ailleurs. Voilà, nickel. Ensuite, par contre, avant d'aller boire, il faut que je crée ceci. Il me faut 10 ficelles. Donc, je vais encore fabriquer de la ficelle. Combien j'en ai? Il m'en faut encore 10. Par contre, je vais récupérer. Nickel. Tac, 8. On mange, parfait. Ah, déjà, on comprend le principe global du jeu et on galère pas trop, ça va. Par contre, il faut que je récupère absolument de la broussaille. Lyona, super. Allez, de la fibre végétale. Donnez-moi de la fibre végétale, les gars. Là, il y en a pas mal. Magnifique. On va en prendre plein. Voilà. Allez, donnez-moi de la fibre. Donnez-moi de la fibre. Ouah, il y a des hommes. Matez les gars. Là c'est dangereux. Là c'est très dangereux. Je suis en stress complet. Je bégaye quand je parle. Ils sont trois. Ils sont trois les gars. Ils ont fait un feu de camp eux aussi. Nous on va créer ça. On peut toujours pas. D'accord. Ficelle. Création. Ah bah voilà, ça va plus vite comme ça. Combien j'en ai? 7. Nickel. On s'est créé une gourde. La gourde elle va nous servir à transporter de l'eau. Là par contre on a très soif, il faut qu'on aille prendre l'eau sans aggro les mecs qui sont à côté. Donc ça va être dangereux. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer sans plus attendre la bouffe qu'on a mis dans le feu. Et on va en manger une partie parce qu'on a faim. Ah mais j'en ai plus, d'accord. On a mis que ça... Putain, c'est qui m'attaque encore? Y'a personne. Ah si. Putain d'enfoiré là. Ok, on va directement faire cuire la viande qu'on a récupérée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, il m'explique que je peux... Bref. Ça c'est de la merde. Viande sauvage, 10. Nickel, le bois, 43. Allumé, c'est parti, faites-moi cuire ça. Ensuite, ma gourde elle est où? Elle est là en 3. La pioche cassée, on va la virer. Attendez. On va virer ce qu'on n'a pas besoin. Comment on fait? Drop. Il faut que j'aille prendre de l'eau. J'ai soif. On va prendre la gourde en main. On peut pas, d'accord. À mon avis, il faut la remplir là-bas. Par contre, faut pas que les joueurs magro là. Les monstres. Je sais, j'ai soif. Mais je ne voudrais pas courir pour pas aggro, mais si, je suis obligé, sinon je vais mourir de soif, ce serait trop con. Putain, il y a des bestioles de partout, quoi. Allez, on boit. Nickel. Comment on fait pour remplir la gourde? C'est pas comment on fait pour remplir la gourde. Oh putain, il m'attaque. Ah, ça lag. On se barre.
J'ai pas pu remplir ma gourde, je sais pas comment on fait. J'appuie sur 3 mais ça marche pas pour la récupérer. Donc là je suis perdu. Je crois que je les ai semés. Attends, comment on fait pour remplir la gourde? Use. Hein, parfaite pour transporter de l'eau. Putain les gars. Bon bah je suis foutu. Ok, je suis mort. C'est vraiment dur. Le jeu est très très dur pour le moment. Putain, j'ai peut-être pensé à baisser la difficulté. Ok, l'alligator m'a aidé. Merci l'alligator, c'est sympa. Pourquoi je baisserai la difficulté? Bah parce que j'y arrive pas. Je me fais défoncer en 2 secondes. Ok, donc par contre j'ai respawn dans mon feu de camp. Enfin dans mon lit plutôt. Mais du coup mon lit bien sûr a disparu, donc il faut que j'en recrée un. Et du coup j'ai plus rien, il faut que j'aille récupérer sur mon corps ce que j'avais. Donc pour cela il faut que je retrouve où était mon corps. Je pense qu'il était par là. Fait chier, j'ai encore aggro. Par contre, où était mon corps? Dégage toi. Ok, je crois que je tue plus vite avec le poing qu'avec une pioche. C'est absolument débile. Par contre, il faut que je retrouve mon corps. Pour récupérer ce que j'avais dessus. Je crois que j'étais... Allez, cours, abruti. Je crois que j'étais juste là. Par là. Un peu plus là-bas, il me semble. Je sais plus où j'étais. Ah bah là. Je voudrais récupérer ce que j'ai dans mon corps, les gars. Nickel, take all, parfait, ça se fait en 2 secondes, magnifique, mon joli corps. Ensuite, donc, la paillasse, on va la prendre, on va la mettre en 3ème position plutôt. La pioche, là, la hache, là, par contre la gourde, j'aimerais bien savoir comment on la remplit. Bon, c'est pas grave, ce qu'on va faire, on va récolter des trucs vite fait, voilà. Ensuite, je devais me créer attendez, apprendre des recettes, ça. Voilà, magnifique. Une épée en pierre, c'est ça que je devais me créer. Donc, on va la débloquer. Attends. Hey. Ah, mais c'est une fondation, d'accord. J'ai cru que c'était autre chose. Débloquer, magnifique. Ensuite, une fois qu'on l'a débloqué, qu'est-ce qu'il nous faut pour la créer? 10 ficelles, 5 branches, 20 pierres. La ficelle, j'en ai combien? Branche, je crois que j'en ai pas. On va en fabriquer. Voilà. Faut qu'on récolte. Par contre ça fait chier pour l'eau parce que dès que je vais en récupérer, bah je me fais attaquer de tous les côtés. C'est assez chiant. Voilà. Il me faut de la fibre végétale à foison s'il vous plaît. Par contre je vais aller me mettre à côté de mon endroit. Là il y a un mec, on va le tuer. Par contre on va se mettre en mode guerre. Voilà. Ok. Hache est cassée. Enfin, ma pioche plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? Attaque avec ta pioche, abruti. Enfin, ta hache. Super. Ensuite. On va ramasser. Mon feu de camp est plus là. Ah, mais c'était pas là que j'étais, je crois. C'est là, voilà. Nickel. On va poser notre lit. Bah, par là. De toute façon, il était posé là au début. On va le reposer. Nickel. Interagir, voilà, magnifique. Ensuite on va récupérer ce que j'ai fait cuire. Hop, le bois on le récupère, on va l'éteindre. Voilà, super, on a de la viande. Hop, 6, magnifique. Ensuite, donc il me faut des fibres végétales. Ça, est-ce que c'en est? Non, c'en est pas. Ok. Là il y en a, mais je voudrais pas trop m'approcher parce qu'après il y a des monstres qui viennent m'attaquer. Un lapin. Oh, le feu de camp est juste là, les mecs sont pas loin. Faut que je fasse attention. Faut que je réussisse à me créer une arme. Surtout un arc.
Faut que je me fasse par la suite un arc, comme ça je vais les défoncer. Je pense que dans l'épisode 3, ça va être création d'un arc et je vais les défoncer. C'est-à-dire que je vais aller tuer les trois bonhommes qui sont juste à côté de chez moi pour looter ce qu'ils ont, bien évidemment. Et surtout, les tuer pour éviter qu'il y ait un danger particulier pour moi. Par contre, il faut que je crée de la ficelle, donc je peux en créer que 3. Je pense que j'en ai pas assez. J'arrive pas encore à voir où est ma ficelle. Là-dedans. J'ai l'impression qu'il me la montre pas, en fait. Ah, mais elle est là, ma ficelle, d'accord. J'en ai que 5. Ok, c'est long à looter, hein. C'est très très long. C'est un truc de fou comment c'est long. Je pensais pas que ce serait si long. Alors par contre, il y a un problème. Ma pioche, elle est cassée. Réparée. Je sais pas ce que ça m'a coûté, mais je l'ai réparée. Ça m'évitera d'en recréer une à chaque fois. J'entends des bruits chelous, ça me fait flipper. Ah, nickel, il y en a plein là. Parfait. En plus, on est en hauteur, donc on n'est pas en danger. Au contraire, on est protégé. Parce que le temps qui monte, on va s'en rendre compte. Et forcément, une fois qu'on s'en est rendu compte, on se barre comme des gros juifs. On se casse, on se taille. Comme ça, aucun danger pour nous. Voilà. Voilà, super. Je pense que j'ai assez. Donc là, ça a freeze. Voilà, c'est bon. Ficelle fabriquée, 9. Magnifique, on en aura assez. Pour créer ensuite cette épée en pierre qui va un peu plus nous aider à tuer des gens. Pour nous protéger déjà. Et ensuite on créera aussi le bouclier bien évidemment. Voilà, fabriquer le bouclier. Quand est-ce que je peux le créer? Il me faut 16 bois, j'en ai 23. Et 8 ficelles. Donc on va tout de suite récupérer encore un peu de fibres végétales pour créer de la ficelle. Je pense que je vais demander à Logan 7339, enfin 7218. Ok, ça me fait peur. De venir jouer au jeu avec moi. Comme ça, on sera tous les deux à faire une série. Ça sera beaucoup plus intéressant que d'être tout seul. Par contre, on va tuer le lapin. Je suis désolé, lapin. Voilà, je m'excuse tout de suite de t'avoir fait ça. Mais j'ai besoin de manger, j'ai besoin de survivre. C'est un monde à risque. Tu es un lapin, tu es petit. Donc tu risques de crever plus facilement que les autres animaux. Je suis désolé. Ok, la hache est cassée. On va la réparer. Super. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Créer le bouclier, est-ce que je peux? Toujours pas, il me faut 8 ficelles et j'en ai pas 8, j'en ai 4. Donc il faut que j'en trouve et pour ça il faut que je ramasse des fibres végétales. Donc là il y en a, c'est parfait. Écorce, on peut ramasser de l'écorce aussi, d'accord. Allez, on ramasse la fibre à foison. Voilà, magnifique. Super, ensuite, bouclier, on peut toujours pas. Ah bah c'est normal, j'ai pas créé la ficelle. Ficelle fabriquée, 3, j'espère qu'avec 3 ficelles ça ira, j'en ai combien là? Elle est où ma ficelle? Elle est encore en bas. 6, 7, il m'en manque une. Une ficelle. Est-ce que là il y a de la fibre? De la fibre s'il vous plaît messieurs, de la fibre. Pas de fibre, d'accord. Je suis baisé. Ok, je suis vraiment baisé. Je n'ai pas envie de descendre pour ramasser la fibre, c'est trop dangereux. Là, elle s'est renouvelée, magnifique. Je ramasse la... Ah non, bah non, j'en ai pas. Ok, bonne nuit. Les gars, vous allez me donner un peu de fibre? Ah mais il est là, mon feu de camp. D'accord. Je demande un fibre. Je demande pas un truc énorme, hein. J'en demande un. Enfin, une fibre, si vous préférez. J'ai une branche. Ça, c'est de la fibre, ça. Non, toujours pas. Bon, bah, elle est cramée, c'est très sympa. Très sympa de me faire galérer comme ça, merci. C'est très, très gentil. Bon, bah, voilà, il n'existe plus de fibres dans ce monde. C'est terminé. Ah, si, là. Enfin, putain. Ils en ont mis du temps. Ah, bah, c'est lui, il y avait mon corps. D'accord. On va se créer le bouclier tout de suite, on crée juste la dernière ficelle, magnifique, et on se crée le bouclier. Ensuite, on va positionner ça ici, le paillasse en fibre, la paillasse en fibre plutôt, on va la virer puisqu'elle est morte de toute façon. Le bouclier est en cours de fabrication. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah, je crois que c'est tout pour le moment. On va faire des vêtements aussi, on va faire des vêtements. Ah, mais il faut de la fibre, putain la fibre, waouh, il en faut, hein. C'est un truc de ouf. Attendez, on va apprendre des recettes. Est-ce que je peux créer un arc? Toujours pas. Par contre, je peux augmenter ma vitalité. C'est ce que je vais faire, je pense.
Pour le moment, je pense que c'est plus important. J'espère, en tout cas. On a bientôt soif, il faut qu'on aille récupérer de l'eau. Par contre, j'ai créé le bouclier. Est-ce que je peux l'équiper? Alors, ça veut dire qu'il faut que je le mette sur moi, le bouclier. Comme ça, d'accord, ok, magnifique, super. Déjà, on est un peu plus protégé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer de l'eau en courant le plus vite possible. Alors, je devrais le faire en discret, mais le problème, là, c'est qu'il faut aller vite. Tant pis si on m'attaque, je courrai super vite. Voilà, allez, on boit, on boit, on boit, on boit. Et ensuite, on essaie de comprendre comment fonctionne la gourde. J'aimerais la remplir. Mais je n'y arrive pas. Ah, c'est bon, fallait appuyer sur F. Ok, nickel, la gourde est remplie. Est-ce qu'on peut en créer une deuxième tant qu'on y est? Non, il nous manque de la ficelle. Ok, donc la fibre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour le moment. Il faudrait que je trouve un moyen d'en ramasser plus rapidement. Alors là, il y en a un peu plus, mais est-ce qu'on en ramasse plus vite avec ça? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Et ça, c'est bien dommage. Ok, ça sert à rien. Donc la fibre, c'est vraiment important. Par contre, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon l'épisode va être trop long, je vais mettre 3 millions d'années à l'upload. Donc j'espère que cet épisode 2 de cette série vous plaira et vous a plu. Si vous avez regardé cette série jusqu'à sa fin, je vous conseille de marquer dans les commentaires bouclier. Voilà, merci à tous et salut les cramés.